Pourquoi vous avez décidé de venir me voir? C'est un gentil chien. Ouais. Mais il grogne. Ok. Il grogne sur les enfants. Mm-hmm. Et on n'arrive pas à le canaliser. Tu n'es pas bougé. Voilà, c'est fini. Calme-toi. Pas, tu n'es pas bougé. Non. Comment? Lessivé. Très, très fatigué. Déstabilisant. On peut plus. Impressionnant et enrichissant. C'est bien. Ricky assis. Tu caresses doucement. C'est bien, bravo. Voilà, tout doucement. Donc là, on va faire le test d'évaluation numéro 1 avec Ricky, ce berger malinois qui est âgé de 9 mois, qui a des petits problèmes de troubles de comportement qui ne sont pas excessivement graves. Et pour lequel on va faire le test d'évaluation d'agressivité. Je précise que dans le test d'évaluation numéro 2, ce chien va naturellement me mordre, ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai provoqué en fait son conditionnement pour voir par contre le degré de morsure et sa puissance. En fonction de ça, je pourrais voir s'il mord par jeu, s'il mord par dominance. Il a beaucoup de choses à exprimer aujourd'hui, donc il va passer ses nerfs sur moi. Et ensuite, on calmera pour avoir une éducation propre et que justement, ce qu'on vient de voir avant, que je n'ai pas filmé, parce que ça ne m'intéressait pas de faire filmer les gens. Ils ont du mal à faire asseoir leur chien, simplement en disant assis, sans pour autant élever la voix. Pas touché. Pas touché, pas bougé. C'est bien, Rick. Halte. Assis. Superbe. Ça, c'est Ricky assis. Halte, Ricky, ok, c'est bien, mon chien. Tu es beau. Il a eu du mal à devenir vraiment agressif au début. Mais alors, par contre, après, quand il a commencé à niaquer, ça a voilà. Arrêtez plus, hein. Une fois, pour un os. D'accord. Pour un os, voilà, c'est ce qui explique cela. Ça aussi c'est important parce que quand on donne un os à un chien, il y a des méthodes pour apprendre, ça c'est ce que j'ai dans mon livre, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, je vous expliquerai en théorie. Ça soumettait direct. D'accord, alors que je n'ai même pas parlé. La posture. La posture, donc on en vient avec l'attitude. La posture, voilà, le regard, ok. Toi et Sam a hurlé à 3 mètres, il ne s'assied pas. C'est ça la réalité des choses. On peut raconter n'importe quoi, on peut parler par téléphone, et quand les gens viennent qui s'assoient ici, que moi je montre ce que je sais faire, c'est plus la même chose. Et plus on va montant en échelle, et plus on se dit, bah ouais, maintenant je comprends en fait. Ok, c'est dur de se faire dessus par Tramson, mais on le voit et on voit le résultat, parce qu'il n'y a pas de blabla. J'ai pas besoin de te le dire. Mais j'ai pas besoin de te le dire. Je t'ai montré un truc sympathique au départ, juste pour le assis. On parle juste pour le assis. Alors imagine dans le cocon familial, avec les gosses, quand tu cours avec ton chien, lui faire comprendre que sa place et il reste à côté, etc. Si déjà, vous, vous n'êtes pas foutu de faire asseoir votre chien gentiment, même sans parler, rien qu'avec le regard, et c'est tout ça que vous allez apprendre aujourd'hui. Ouais, moi son agressivité, je l'avais déjà vu comme ça. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne d'Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.